Salut à toutes et à tous, c'est Vincent et nous voici pour le 9ème épisode de Stranded Kids sur Game Boy Color. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Et la dernière fois on avait sauvé cette jeune fille, alors Sam comme j'avais appelé. Alors, on l'avait sauvée, on l'avait ramenée dans notre bateau, dans notre arche, comme ça bien au chaud, bien en sécurité avec notre kiki. Donc voilà, on a du monde à la maison, c'est la fête, c'est génial, on va pouvoir se reproduire. Je déconne, quoi, on est trop jeune encore, merde. Quand même, faut pas déconner, c'est des petits enfants. Mais bon, au cas où on grandit, c'est que... on puisse pas récupérer chez nous, on pourra repeupler l'île. Bon, pas avec le singe. Bon, ouais, j'arrête avec les des perversités dégueulasses. Et donc, on va lui parler. Je vais pas parler, au fait. À pas reparler. N'avez-vous pas parlé de rentrer? Vous n'êtes pas de cette île? Bah, à ton avis, couillon. Hein, c'est une sauvage, quoi. Non, nous avons fait naufrage. Ainsi, vous étiez sur ce navire. Hic! Ne craignez rien, c'est Kiki, un ami. Je vois, comment allez-vous, Kiki? Kiki est vraiment plein de vie. Désolé, je ne peux presque pas bouger. Je me sens pas très bien. D'accord, donc je vais devoir recharger la bouffe. Donc nous, on va dormir, parce que la dernière fois, je me rappelle bien, on n'avait pas dormi. Donc voilà, pour récupérer l'énergie. Et on va explorer le chemin d'en haut, qu'on n'avait pas vu la dernière fois, vu qu'on était passé par la grotte. Et bien, on va... il me faut au reste des joyaux, bah oui. Donc on va explorer le haut, on va peut-être trouver un joyau. Hein. Qui sait, suspense. Donc c'est parti. Hop. En forme dans le jeu, non pas par ici, ça sert à rien. Donc oui, c'est par là, je suis con, mais je suis con. Ah mais c'est pas facile, ça fait longtemps que j'ai pas joué, alors c'est ça fait un peu perdu. Mais ce que j'aime bien ce jeu, voilà, je le fais avec vous, vraiment, je fais rien en off quasiment. Même rien du tout, j'ai rien fait en off. Et alors je le fais petit, voilà, c'est des petits épisodes, mais comme ça c'est un jeu qui est dur et sur la longueur ça préfère péter un plomb je pense, mais par petite dose il est excellent, c'est comme manger un petit bon bec tous les jours. Voilà, et ben voilà, ce jeu il est comme ça, donc c'est bien, je pense que je le prends très bien à petite dose, c'est très bien. Allez, crève. Objet, on va allumer un feu. Merde, ça va boucher le chemin, c'est pas très intelligent ce que j'ai fait. Bon bref, alors, on va le brûler, on va cuire le mythe, bon, on va le manger parce que c'est notre petit déj, allez hop, miam. Alors hop, voilà, ouais mais c'est pas parti le truc, oh tu vas dégager, merci, hein, on va déconner. Bon, alors, allons voir ce qu'il y a dans ce passage. Alors, il y a un raccourci par là, ouais, c'est un raccourci. Ah oui, il me faut de la lumière pour avancer. Non, j'ai pas envie de passer par la grotte, là, c'est déprimant. On va passer par là-bas. Hein. On va sauter de la jungle, c'est plus rigolo. J'ai pas envie de la flemme d'allumer la torche et tout. Même si je vais forcément avoir à le faire au bout d'un moment, mais c'est chier. J'ai plus beaucoup de vie par contre, ce serait bien si je chopais des herbes pour en récupérer. Ouais, on le mange. On mange tout, comme ça, au moins on est toujours bon. Tout ce qu'on trouve, on le mange. De toute façon, à chaque fois. On n'est pas obligé de tout stocker la bouffe sur nous, on en trouve toujours, donc ça c'est pas un souci. Allez, roulez boulez. Enfin, je suis pris un plat plutôt. Donc, tac tac, on va remonter là-haut, ça c'est quoi ça? Non, c'est pas bon. Hein, ça ne sert à rien de se faire paralyser pour l'instant, enfin je vois pas trop l'intérêt. Donc on va monter par là, quand on était passé par la grotte, on va voir ce qu'il y a là-haut. Et normalement, d'après mes informations, il y aurait quelque chose d'intéressant là-haut, vous allez voir. Voilà, on le mange. Et les bestioles, on va faire gaffe parce que je me suis souvent fait crever des fois et j'ai dû recommencer souvent des vidéos parce que quand on crève, faut commencer le jeu, hein, donc faut sauvegarder tout. Enfin, c'est chiant. Là, qu'est-ce que c'est? Restaure la barre de vie, nickel, c'est ce qu'il faut là. Je me sens beaucoup mieux. Ok, on saura qu'il y en a là maintenant. Ça, c'est intéressant. On va reboire un coup. Gluc gluc. Voilà, hein. Heureusement qu'il faut pas gérer sa gestion pour pisser et chier parce que... Donc... Ah, une zone désertique un petit peu. Là, ça, on va le graille. Ça, c'est... Oh, il y a un beau paysage là-bas. Je suis plein, je ne peux à peine bouger. Bon, là, il est vraiment... je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais, on est pas mal quand même. Hein, c'est... Short grass. Ah, bon, on sait qu'il y en a maintenant de la short grass. C'est bien, il y en a partout. Un beau coucher de soleil. Enfin, même plus maintenant. Oh, il y a un joyau. Je crois que c'est un miroir au début. Je dois abandonner autre chose. La mer, si je veux passer, faut que je le prenne, le truc. Fait chier. Allez, bah on le mange. On graille tout. Je suis si plein que je peux à peine bouger. On le prend. Tac. Il y a un joyau. Oh, putain, con.
Ah non. Ah et plouf. Mais vous inquiétez pas. Et le poisson va pas. Le poisson l'a bouffé là en fait. Mais vous allez voir, on va pouvoir le récupérer. Je me suis renseigné. Le joyau est tombé. Il faut le retrouver. Ouais. Il n'y a rien. Je vais allumer une torche. On verra mieux. Objet. Ouais. Ah, ça fait du bien de jouer à ce petit jeu. Enfin, vraiment le jeu que j'aurais découvert avec vous, ça c'est vraiment cool ça. Le jeu qui m'a toujours fait envie et que j'ai pu découvrir avec vous les gens, ça c'est génial. La taupe, on s'en fout. Tant qu'on a la torche, on va regarder ce qu'il y a là, tiens, avant d'aller en voir ce qu'il y a en bas. Ça c'est grand ici. Oh, je sais pas où ça mène tout ça. On a un joyau à récupérer, faut pas l'oublier, donc j'ai pas envie trop de me perdre. Putain. Ok, où ça mène ça? Éteindre la torche. Ok, ah, okay. Ah, j'ai fait demi-tour, enfin, j'ai pas trop compris. Il y a des trucs à voir là, on va voir. Je suis fatigué, merde. Ah putain. On va dormir dans la petite cabane qui est pas loin là. Dans le petit arbre. Hop. Sommeil. Ouais, on va dormir. Bruissement. Bruissement, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ça me fait peur là. Il y a des animaux par ici? Si oui, il vaut mieux rester éveillé. Mais j'ai tellement sommeil. Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, je suis au courant de rien du tout, les gens. Oh, je me suis endormi sans me rendre compte. J'ai l'impression de ne pas avoir fermé l'œil. Il faut faire quelque chose pour s'ils reviennent. Mais oui, on dit que les animaux ont peur du feu. Je vais faire un feu, ça marchera peut-être. Ah, ok. Donc je vais faire un feu. Oh, ça, je savais pas. Ça m'a fait flipper. J'ai eu bien. Comme le. Ça m'a fait la même sensation que le tremblement de terre. Ok, bon, on va pouvoir dormir alors. Voilà, on n'est pas emmerdé là. Il me faut le reste des joyaux. Ah, il pleut, il me faut un parapluie. Non, je. D'accord, il est toujours perdu quand. On va voir ce qu'il y a là. Non, déjà, on va essayer de déjeuner. Hein. On va bouffer un peu. Manger, miam. La faim disparaît. Ok, t'as l'estomac tout gonflé, c'est bueno. Oh, c'est quoi ça? Il y a un caillou, un œuf, il y a un truc là. Hep, les œufs sont par ici. Je les veux, mais je suis sûr que je ne peux les attraper. Ah, ça fera un bon petit déj, ça. Hey, Kik, tu vas les attraper pour moi? Attends, je porte tout ce que je peux. Je dois laisser quelque chose. Putain, qu'est-ce que j'ai trop. Ah, ça, c'est assez pourri. C'est la viande pourrie. Hop, hein, on va essayer d'attraper l'œuf. Ça nous fera un repas au pire. Voulez-vous, d'accord, ça fait un mini-jeu, je m'en doutais. Règles du jeu. Déplacer le personnage avec GD. Oui, gauche-droite. Avec le B. Dire. Oui, direction. Attraper les œufs lancés par le singe. T'as vraiment pas beaucoup pour écrire. Hein. Vous n'avez qu'une seule chance. Gagner. Attraper, vous gagnez. Lâcher, vous perdez. Ok. Donc voilà. On a une chance sur je sais pas combien. Oh putain. Oh non. Oh bordel de merde. On s'est chié dessus. Bon, espérons qu'on ait d'autres. J'ai raté. Ouais, échec. Échec de la quête. Oh, putain, il y a plein de choses à voir là. Je vais prendre de l'herbe là. Ouais. Façon de parler, hein. On va la manger, comme ça on aura une vie à 100%. Ouais. Wow! Wow, c'est joli ici! Il y a une source thermale, que faire? Bon, vraiment, on va se baigner dedans. Je suis en train de revenir à la vie! Je me sens vraiment mieux! Ok, bon, c'était cool. J'ai envie de ramener le joyau à la maison pour aujourd'hui. Elle est là-bas. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai crié comme lui, quoi. Oh! Le sol s'effondre sous mes pieds. Inutile de rester ici. Mieux vaut remonter. Hop là. Eh bien, ce n'était pas facile. Tout va bien, ce n'était pas grand-chose. Je dois veiller à ne pas tomber dans d'autres trous. Mais si je peux y faire tomber des animaux, j'aurai de la viande sans avoir à lutter. Et si je le recouvre avec une grande feuille, je vais le faire. Le personnage de l'île est fausse. Ah, ça peut être pas mal de faire des pièges. Moi, ça me plaît dans le principe. Tombe dans le trou, toi. T'as enlevé pas mal de vis, cochon. Oh, autre chose. Ah, c'est vraiment chiant, la gestion de l'inventaire. C'est bien, mais c'est chiant en même temps.
J'aurais pu vite voir ce qu'il y a un peu en bas. Oh, il y a plein de trucs. Bon, on verra plus tard. Hein. On verra dans le prochain épisode. Ça, on va rentrer chez nous, poser la gemme. Hein. C'est déjà énorme. Hein. C'est l'objectif principal, choper ces gemmes. Donc, on a encore plein de choses à explorer dans ce coin-là. Toi, dégage, ça va me faire chier. Non, mais... Oh, putain, ils sont chiants, tes bestioles, ici. On va rentrer, on va repasser par là. On va récupérer la life. Nickel. Manger, voilà. On va passer bah, du coup par la grotte. Non, pour éviter de... Non, c'est par là pour revenir à la maison. Donc, objet. Tac, on va faire. Oui, il me faut de la lumière. Putain. Hey. J'espère que ça va pas me bloquer le chemin là. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Allez hop. Ok, bon. On va faire cuire la viande. Pire, on la donnera à la meuf si elle est fatiguée. Peut-être ça lui remettra de la vie, je sais pas. Oui, ça va un peu cliché, le mâle qui ramène la viande à la maison, la femme qui attend au chaud. Et là, c'est un petit peu le cas, hein, quand même. Ça, ça nous sert à rien. On va le jarcler. Hein. Et viande d'un animal. Alors, attendez. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Voilà, brûler. Ok, tac. Alors, je sais plus par où il faut passer exactement pour rentrer, mais bon, je sais qu'il faut prendre cette grotte. On va bien y arriver, hein. Ouais, il m'a fait peur. Je pense que c'est par là. Ouais. Je pense que c'est par là. Oh putain. Fait chier. Ah oui, c'est par là. Ça doit être par là. Ouais, c'est bon. Ouh, bah c'est bon. Je commence vraiment à connaître le jeu. J'ai soif. Ah oui, j'avoue. Bah, on va prendre la gourde hein, qui a servi à quelque chose pour une fois. C'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais là c'est pas mal. Boire. Et glu glu gluc, ma soif est étanchée. Et glu glu, on le mange. Crao. C'est si plein. Ok, bon, on est plein, on est en forme. Franchement, on le gère le jeu, on a la gérance. Hein. Franchement, là. Avant, je paniquais un petit peu de ça, et maintenant. Maintenant, on panique pas, on sait qu'on a de la bouffe partout, qu'on n'est pas obligé d'en stocker 10 000. Putain, j'ai la flemme d'allumer une torche. Je peux pas, de toute façon il pleut donc la torche, on peut pas. Et mais ça me court après ce machin. Oh, fous-moi la paix. Putain, je vais pas t'emmerder pour te bouffer alors tu viens pas me faire chier. C'est bon, si tu es heureux que j'ai bien bouffé, que j'ai pas la dalle. Tout, voilà. On va reboire un coup. On va. Tac, tac. On va réutiliser ça. Comme ça. Hop, on a attrapé le water. Hein, c'est ce qui est pas mal. Donc, je suis fatigué. On va dormir, t'inquiète, Kiki. Mais. Alors, c'est un truc rond, donc ça doit être sain là. C'est bien, on avance là. On avance bien, regardez. Un trou circulaire. Oui. Dit comme ça. Non, non, il ne voyait pas des idées bizarres. Ah mais non, j'ai pas récupéré la teinte, je croyais que je l'avais récupéré, ben non, il est tombé. Faut que j'aille le récupérer, mais quel idiot je suis. Putain, j'avais complètement oublié ça. On va dormir, et on va vite récupérer le truc. Bah ça fera un épisode plus long. J'ai complètement oublié d'aller ramasser le machin. Je croyais qu'on l'avait ramassé, ben non, j'ai oublié qu'il était tombé le truc. Putain, je suis con, ben l'épisode il est pas fini. Hein. Donc on va repartir. Oh là là, le mec il est parti. Vous avez dû rager hein, dans la vidéo, vous avez dû dire, ah là là, le mec. Il a oublié le joyau et tout, ouais bah ouais, complètement, complètement. Donc on va se retaper un détour, hein, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave les gens. Hein. Et de toute façon, vous inquiétez pas, je sais comment on le retrouve le joyau. Je me suis renseigné. Et ouais, vous inquiétez pas, bon on va graille, hein, on va graille, on va... Tac, miam, on a mangé le berry, ah là on peut plus rien avaler, tout va bien. Trilalilala. On va y arriver, vous inquiétez pas. On va repasser par là. Bah écoutez, ça fait faire un détour. Allez. Mais bon, je pense que j'étais tellement distrait par le trou, le truc de l'œuf, les sources thermiques et tout. Donc en fait, vous avez vu qu'il était tombé par là. Sauf que là, vous avez vu qu'il y avait eu un poisson. Pas ce poisson-là, mais il y en avait un autre là. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Je me suis renseigné parce que je regarde des fois quelques vidéos sur internet de... Je vais manger ça. Et je vais boire de l'eau aussi. Même occasion,
Ouais, des fois je me renseigne, y a un mec qui fait des vidéos, il y en a pas beaucoup de vidéos sur ce jeu, hein, je vous le dis. Et des solutions sur internet, il y en a zéro, hein, zéro. C'est pour ça que j'utilise un gars qui fait des vidéos en anglais des fois pour m'aider un petit peu, pour que je sache où aller, parce qu'honnêtement je saurais pas quoi faire. Et quand on fait une vidéo, faut éviter de tourner en rond quand même. Donc normalement, si mes souvenirs sont bons, on va passer par là. Enfin, il y a un truc, il y a un caillou, il faut le relancer, je sais pas. Non, c'est pas ici, alors où c'est? Putain. Oh, dégage toi. Ah, tu m'emmerdes ces bestioles. Là, il y a un caillou, mais c'est pas. Non, mais sérieux, dégage. Non, non, et eh ben tu vas finir dans mon estomac, toi. Non, mais dégage! Non, mais il va me tuer ce truc, putain, mais. Dégage! Voilà, et toi, je vais te bouffer, toi. Alors là, je te fais cuire, tu m'as fait chier. C'est scandaleux. Hop, on va bouffer la viande d'hier. Bon, ok, non, on a que de la viande pourrie, tout va bien. Voilà, c'est ça. Et toi, je vais te manger tout de suite. Tu m'as fait chier, je te mange. Alors, tac. Et je vais te refaire caca. Voilà. Oui, je suis n'importe quoi ce que je dis, mais il m'a énervé. Je suis en train de réfléchir, il m'a me casser les couilles, il a failli me tuer. Je peux récupérer de la vie, machin. Ouais, on le prend. Ça, c'est pour faire de la viande infinie. Bon, on le mange, on va voir ce que ça fait. Ouah, comme ça, merde. Ok. Et là, normalement, on doit avoir un caillou, putain. Faut que je trouve un caillou, que je le jette ici. Moi, c'est ce que je me souviens bien. C'est quoi ce machin, c'est gros? Bon, on va le prendre. On va faire de la bouffe infinie, tiens. Enfin, de la bouffe infinie, façon de parler. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Allez, hop, on le mange. On jette rien, on mange, hein. Ça fait toujours du truc. Donc on va faire de la bouffe infinie tant qu'on est là. Bah c'est un épisode assez long, ça fait longtemps. Sans pire, on a l'autre cabane si on veut dormir. Je crois que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, on va le brûler. Donc normalement, à chaque fois je me plante sur ça, hein, mais normalement, je fais fusion. Ça devrait, machin, tac. Voilà. La nourriture qui dure. Donc voilà, elle se pourrira jamais comme ça. Ouais. Alors, je sais pas où c'est. Faut que je trouve un caillou. Un caillou au fond du jardin. Ça veut rien dire ce que je dis. Oh là 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 là. Il va falloir que je me calme. Que je prenne mes médicaments. Je récupère de la fatigue. J'aurais pu le manger, hein, au lieu de... Ouais. Honnêtement, on va le manger, ouais. Crao, gardez de la place. Putain, faut que je trouve un caillou alors. Un petit caillou, je crois, c'est suffisant. Bon, on va faire un feu. J'arrive pas à trouver de caillou. Ah, si je trouve pas de caillasse, c'est chiant. Il y en a là-bas. Oh, dégage, ça c'est une taupe. Je peux me faire tuer par une taupe, quoi. Vous avez vu comment c'est petit, une taupe? Ah, un caillou, voilà, c'est ce qu'il faut normalement, je crois. Faut voir, je sais plus si c'est un gros qu'il faut. On le mange. Maintenant, putain, qu'est-ce que je connais bien les plantes? Ça, c'est pratique, ça. Bon, on va pioncer, hein, vu l'heure, tout ça. Pioncer dans notre vieille cabane, hein. Oui, oui, on fait des infidélités à notre copine là-bas. Putain, mais du coup, qu'est-ce que j'ai rallongé le truc? Ça va faire 40 jours qu'on est sur l'île, hein, bientôt. Hein. Chaud, chaud cacao. Il me faut le reste des joyaux. Bah oui, bah oui. Ça commence, je croyais avoir fini l'épisode tranquillou. Dinadiladou. Bah non, non. Ça se passe pas comme ça. D'un côté, hein. C'est bien d'être mis sur le cul un peu. Tout. J'espère pas crever parce que j'aurai mauvaise. Hein, de recommencer un épisode. Ouais, parce qu'honnêtement, là. Alors, réellement, putain, mais il est passé où? Je sais qu'il y a un caillou à mettre. Je sais plus où. Il est tombé là-bas. Il y a bien des cœurs. Voilà, water. Bon, on va boire un coup, glugluc. Putain, je sais plus. Il est tombé dans l'eau. Mais. Je sais plus comment récupérer le machin. Voilà, water. Ouais, on boit. On fout. Ça, je sais pas ce que c'est cette bestiole à chaque fois. Ouais, ça fuit quand ça nous voit. Bah, je sais pas moi qui soit tombé là. Putain, je me souviens plus. C'est tellement longtemps que je
Je ne suis pas renseigné sur ce jeu. Ça. Je dois abandonner autre chose, hein, putain. Ouais, parce que c'est pas là. Mais il y a un poisson par ici. Si seulement j'avais une canne à pêche, ouais. On s'en fout, il y a le joyau qui est tombé là. C'est emmerdant, ça. Mais normalement, il y avait une caillasse. Il y avait un caillou. Bon, bref. Poisson nageant. D'accord. Donc là, c'est là qu'il faut lancer le caillou, si je me souviens bien. Il ne se passe rien. Poisson nageant. Faut que je trouve une grosse caillasse. Je vais voir si j'en ai pas dans mon coffre. Là-bas, c'est le gros caillou, c'est un rocher, on peut pas le prendre, hein. C'est pas un caillou là. Pas déconner non plus. On va le manger. Putain, franchement, je sais même plus comment on fait. Oh, ça attaque pas les cerfs. Je crois que ça faisait des dégâts, non. En même temps, c'est pas carnivore, je sais pas pourquoi ça irait me bouffer. Herbe qui donne soif, c'est pas très intéressant. Parce que vous en pensez, mais voilà. Oh, ça se fait bizarre de revenir là. Voilà, miam. Oui, je suis plein, ouais. Je sais, je suis plein comme un œuf. L'œuf que j'ai pas pu attraper, ça me fout les boules. Ouais, bon. Je suis fatigué, oh, tu m'emmerdes. Hein. Ah putain. Je comprends vraiment plus ce qu'il faut faire là. Je suis complètement perdu, on va dormir à la cabane. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Ça c'est de l'herbe qui paralyse. Je sais plus comment ce qu'il faut faire là. C'est vraiment pénible les gens. Quand on est coincé comme ça c'est chiant. Je vais voir si j'ai pas. Mais je me souviens bien dans la vidéo du Rick, hein, c'est qu'il balançait un caillou mais il le trouvait. C'est-à-dire quand il descendait sur la côte là, il avait quoi le truc. Il y avait un caillou devant, on dirait qu'il était mis esprit le machin. Objet. Stocker bah, ça du coup. On le lâche carrément. Cabane, machin. Juste un gros rocher. On va le prendre. Et normalement, si je me souviens bien, ça devrait être bon quoi. Bordel de merde. Oui, je suis pas très poli comme garçon. Je sais plus où il est le machin. Dégage. Je crois qu'il est tombé par là. Ouais. Voilà, water. Ah oui, en fait, ça doit être ici parce que c'est là que ça me fait poisson nage. Donc, le poisson qu'il a bouffé doit être ici. Donc là, si je mets un gros big rush. Mais, les poissons flottent. Le choc des pierres a fait son effet. C'est comme ça que je vais attraper le poisson. Ça y est, j'ai attrapé un poisson. Oui, oui. Puisque j'ai attrapé, autant le manger. Mais je veux pas le manger cru. Ishmashmir. De quelle langue il m'a parlé allemand là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. J'ai attrapé un poisson, mais c'est pas le bon à mon avis. Hein. Ça va peut-être péter le joyau si je le mange, je sais pas. Il ne se passe rien, d'accord. Ouais. Alors, putain, alors comment on le fait pour l'occuper? Ah, c'est peut-être pas comme ça. Pire, je regarderai. Hein. C'est peut-être un gros poisson qu'il faut. Bon, bah, je sais pas, on va faire cuire. Hein. On verra bien s'il se passe quelque chose. Ah oui, je peux pas lui mettre feu. Et je l'ai plus, mon gros rocher, du coup. Bah oui, logique. Ça devrait m'en remettre un autre, alors. Théoriquement. Voilà, ça en remet un là. Donc. Nous avons donné quelque chose. Objet, bof. Allez, on le mange cru. Allez, on est des guerriers. Il faut que je le cuise avant de le manger. Oh, tu m'emmerdes. C'est une vraie chochotte, hein. Oh, quoique, tout ce qu'il fait, hein. Le pauvre garçon. Il en met d'énergie, hop. On le prend, tac. Poisson nageant. Objet. Voilà, s'il réapparaît là, c'est bien qu'il y ait une raison. Une fois par jour, je suis... Non mais allô, quoi. Oh, putain. Non mais, monsieur fait des manières, mais la nature fait une fois par jour. Hein. C'est quoi ce délire? Oh, toi tu veux... Non, on veut se barrer de cette putain d'île, bordel de merde. Je sais même pas quoi faire, du coup, je suis blasé. Je vais rentrer me coucher, puisque c'est comme ça. On va passer le jour, hein. Une fois par jour, hein. Attention. Pas déconner, hein. Ah, mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais, mec? Ça va pas. Faut pas faire comme ça.
Bon, de toute façon, au pire, j'ai la viande qui est limitée. Bon, ben, c'est un épisode qui aura duré plus longtemps que prévu, hein, les gens. Tant mieux, hein, tant mieux. Hein, écoutez. C'est rigolo de galérer un petit peu. Là, on galère un peu. Hein. Ah, toujours un épisode galère comme ça. L'épisode galère, c'est pour le radeau, j'ai rien capté. Qu'en fait, il fallait mettre des clous. Ah, je sais pas, mon radeau, je pensais au cœur plutôt qu'au clou. Enfin, bon, on va pas revenir sur cet épisode. Qui était un peu n'importe quoi, comme un peu celui-là. Alors, attention, une fois par un caillou par jour, hein, attention. Bon. Poisson. Alors déjà, je vais cuire le machin s'il est pas pourri. Ouais, bah il a pourri, ok. Il a pourri, le rotten fish, bon. Poisson nageant. Big Rock. Oui, on le lâche. Ouais. Règle du jeu, drive plusieurs fois, d'accord. Créer une puissance, débloquer, ok. Ok, c'est un mini-jeu. Hein? Ready? Ok. J'ai le droit qu'il y a une chance? J'ai rien compris! J'ai rien compris au délire, mais absolument rien compris. Wouh! Comment j'ai récupéré ce machin? Écoutez, les gens, je crois qu'en fait, tout simplement, on va arrêter cet épisode ici. Hein, on m'a fait pas mal de choses. Et au prochain, on va le récupérer, ce machin. Je vais me renseigner pour savoir comment on le récupère, ce truc. S'il faut le pêcher, ouais, peut-être que j'ai mal vu. Mais après, ça fait longtemps que j'avais regardé des vidéos sur ce jeu. Écoutez, je vous dis à la prochaine. De toute façon, notre chérie, elle est bien au chaud dans l'arche. Hein. Nous, on est dans notre vieille cabane. Chacun fait sa life. Hein. Voilà, on voit que pour les bons moments. Voilà, c'est ça. Un couple comme ça. Voilà comment faut comparer les choses. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bah, la prochaine fois, j'aurai trouvé la solution pour récupérer ce joyau, hein, ce putain de joyau. Et puis voilà, que dire d'autre? Bah, je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Laissez un pouce bleu, des commentaires, vos conseils, tout ça. Abonnez-vous si vous venez d'arriver. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous tout le monde.